Bonjour. Dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre l'enregistrement d'une séance synchrone organisée par votre compte Google Meet sur une plateforme Moodle. En fait, lorsque vous procédez à l'enregistrement de la séance synchrone organisée par Meet, l'enregistrement va être envoyé par. Vous allez recevoir évidemment l'enregistrement par mail. Mais aussi, cet enregistrement-là va être placé sur votre drive. Et donc, pour mettre l'enregistrement sur la plateforme, vous pouvez suivre les étapes suivantes. Donc, vous allez vers la vidéo, qu'elle est, par exemple, elle est là. Donc, vous allez la partager. Et au niveau du partage, vous devez veiller à choisir quelques paramétrages spécifiques, en particulier le fait de choisir la possibilité soit de partager dans un organisme bien défini ou bien de choisir à tous les utilisateurs disposant du lien. Et dans ce cas, tous les étudiants ou bien les participants dans un cours peuvent directement atterrir ou bien recevoir ce lien et peuvent facilement visualiser la vidéo. Donc je vais copier le lien et par la suite je vais me déplacer à la plateforme là où je vais mettre l'enregistrement. Donc l'enregistrement peut être envoyé soit peut être envoyé au niveau du forum à tous les apprenants ou bien il peut être mis comme un lien sur la plateforme. Donc là je vais mettre la deuxième possibilité. Donc je vais activer le mode édition et je vais l'ajouter en tant que lien au niveau de la plateforme. Donc là je vais cliquer sur ajouter une activité. Je vais choisir les ressources. Je vais choisir lien. Et là, je vais mettre le lien au niveau de cet emplacement. Et je vais mettre, par exemple, enregistrement. De la séance 5. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous pouvez toujours paramétrer en fonction de vos besoins les différents autres paramètres en termes d'apparence, en termes. Donc de restrictions et tout ça. Donc on a déjà mis à votre disposition plusieurs vidéos qui parlent de tous ces paramétrages. Sinon, je vais enregistrer et revenir au cours. Et j'aurai, voici l'enregistrement. Si je clique, je vais atterrir directement au niveau de l'enregistrement de la séance qui peut être visible à tous les étudiants. Voilà, c'était l'objet de cette séquence vidéo. Nous restons toujours à votre disposition. Merci.